Bon matin! Allô? On est venu déjeuner à notre hôtel. T'as-tu entendu le coq comme on a entendu hier, le coq? Il y avait un coq hier? Ouais, t'as entendu qu'on marchait. Hein? Ça goûte bizarre. Checkez ça, déjeuner, buffet. Vraiment cute. Hey, des Froot Loops! Mon Dieu, sont jumbo. Puis ça, c'est la vue qu'on a de notre déjeuner. C'est tellement beau! C'est des biscuits en fond de la bouche. Ouais. Et c'est en construction, ça. Et on voyait pas ça hier. Hein? On voyait pas hier toute la construction qui se passait, là. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a là, il nous regarde. Il y a une échelle en bambou. Bon matin! On est rendu et on se promène en ville. Jour 3 au Pérou. Il y a plein de palmiers. Attention, ton cadrage monte un peu. On est jour 3 au Pérou. On est à Paracas, c'est une journée nuageuse, il fait peut-être 20 degrés. Ouais, il fait pas si frais, hein. Donc, on est à la recherche de savoir, on n'est pas prêt, on n'est pas stressé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait, ou... Puis tout fait qu'on se promène, et qu'on va vous montrer ça. On prend des Polaroids. Allô, toi? Ah! Il y a des chiens partout au Pérou. Il y a un autre chien là. Non, il est beau lui, c'est un bébé. Allô toi. Oh, c'est un bébé, Yann. On a encouragé une petite madame. Yeah. Chocolat. C'est bon, d'ailleurs. Elle nous a fait goûter, genre, c'est sa tactique qu'on en achète. Elle nous a fait goûter. Comment ça a coûté? 10 sols. 10 sols pour ça? C'est 3 piastres. Vous êtes fait avoir dans une pogne à touristes. Ouais, c'est bon. Toi, t'es le meilleur pour te faire payer une pogne à touristes. Ouais, ils font tout petit. Ils font tout petit. Tout le monde fait petit ici. On l'encourage. On l'encourage. Il était bon, d'ailleurs, le chocolat. Il y a des pinottes dedans, c'est vraiment bon. Ah ouais. Du caramel. Caramel aussi. Lecce, du caramel. Allez, on s'en va où? On s'en va à la Playa de la Mina. Playa de la Mina. Mina de carbon. De carbon? Le minéral de carbon. Oh, oh okay. Charbon, ça? Carbon, moi, c'est ça? Carbon, yes. C'est une formation de roc, c'est de color negro. Si, de color negro. Noir, si. Et beach, el agua. Es transparente, es clean, limpio. On est rendu pas encore à la Playa de la Mina, mais on s'en va manger au restaurant. Notre chauffeur de taxi vient avec nous, il est trop chou, il s'en vient manger avec nous, il nous explique tout. Puis après ça, on va aller à la vraie plage qu'on veut aller, mais c'est vraiment beau ici. Je sais pas c'est quoi. C'est du maïs. C'est des chips. Qu'est-ce qui se passe? Premier entrée. Moule, ton impression? Ça, c'est pas. Il semble qu'il y a moins de parmesan. Sa photo, c'était rempli, hein? C'était genre recouvert, là. Tu vas goûter, je pense, là. Oui. T'as-tu goûté? Cueillis chaque soir. Cueillis, elles sont pêchées.
viens manger, Amé? D'arriver à la Playa del Mina. On est présentement, regardez la vue, c'est très beau. Puis notre chauffeur de taxi, il arrive dans 15 minutes pour nous ramener à l'hôtel. Fait que c'était bien le fun la journée à la plage. Playa del Mina, là. Fait que 10 sur 10 si vous voulez venir, c'est très beau. C'est pas très grand, mais c'est juste assez là, pour enjoy la journée, relaxer. C'était cool. Le chauffeur nous a amené à la plage. Donc, vlog update, il est rendu 8h30, on est allé souper dans un petit resto vraiment cute, pas loin de notre hôtel. Puis, on n'a jamais filmé, j'ai jamais filmé dans les rues de... dans la rue là, on n'a jamais filmé, hein? Mais oui. Pas dans la rue de sable. Ils n'ont pas vu c'était quoi. Va falloir monter. Demain. Fait que là, on est, moi et Eric, sur la petite terrasse, au 4e étage. Puis on s'est acheté un petit rhum. Pour vrai, alcool quand même cher ici, je pensais que ça allait être cheap, genre, mais... Mais 36 sols pour une c'est pas, c'est quand... ça. Ben, 30... pas que c'est cher, là, mais... 36 sols divisé par 2, c'est comme... 17, c'est genre 20 sols. C'est 20$, je veux dire. Ça coûtait 20$ avec le litre de Pepsi et deux bouteilles d'eau. Fait que c'est pas tant cher, parce qu'au Québec, une bouteille de rhum, ouais, parce que moi, j'ai payé même plus cher à la sac. Là. Ouais, non, c'est vrai. Fait que la petite madame, elle est en train de donner des verres en plastique parce qu'on n'avait pas de verre. Puis c'est ici qu'on déjeune aussi le matin. Donc, en tout cas, oh, il y a un bébé qui pleure. Puis je voulais dire qu'il fait pas très chaud en ce moment, j'ai sorti mon foulard. Dans le jour, on est quand même bien. Je vais vous dire exactement, il fait combien? Il fait 17 en ce moment.
Mais non, il fait pas 17. Ben. Il fait bien plus frais. Parce que c'est le vent qui est froid. Attends. À cause qu'on est sur le bord de la mer. Ah ouais, 17. Ouais, parce qu'on est sur le bord de l'eau, là. Mais dans le jour, on est bien, là. Ouais. Il fait pas chaud, là. C'est pas l'été, là. Mais en tout cas, c'est ça. Aujourd'hui, il fait genre 20, mettons, le maximum, là. Mais au soleil, un peu plus chaud. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on était dans le désert. Ok, c'est ça. On vous reparle. Ben, si on vous reparle pas là, peut-être pas là, on vous dit bye. Ok, présentement, on entend genre fanfare. Gros party là. Gros party à quelque part. Fait que. Moi, puis on est du monde de party. Fait qu'on est à la recherche du party. On cherche le party là. On sait pas au trop. Niveau son. Ouais, on sait pas partout c'est où, mais on entend du bruit. Fait qu'en tout cas, on se promène en ville là. Et puis, pendant qu'on buvait sur notre petite terrasse bien tranquille, il y a genre le petit gars de l'hôtel qui sortait plein de bouteilles d'alcool pis tout. Fait que c'est vrai qu'il va avoir un party sur la terrasse tout à l'heure. Fait que ça va être bien cool. Puis pauvre petit Yanito que il est dans la chambre, il file pas, il a brûlure d'estomac. Brûlement d'estomac. Il a mangé de la... Comment t'appelles ça déjà? C'est viché. C'est poisson cru. Poisson cru, là. Mais il avait tout dit pas manger ça. J'ai goûté moi tout à l'heure pis arc. Ça... Moi je l'ai regardé pis c'était... Ça avait l'air dégueu, là. Fait que... Il file pas, là, il est en chambre, il se repose. Fait que nous, on va faire le party! Oui! Ben oui! Ok, on sait pas partout c'est où le party. À travers Los Angeles. Mais ça a l'air d'être là, mais ça a l'air sketch en maudit, là. Ok, on s'en va. Update sur le party? On a toujours la recherche. Ben déçu. On l'a pas trouvé, on est rendu sur le bord de l'eau, là. Ça se passe mal, hein? Très mal. Une chance qu'il y a le party à l'hôtel. Très rassurant. Très rassurant quand ça dit que les sorties de secours, s'il y a des tsunamis, c'est par là-bas. Fait que cours. Cours pis cours, hein? Fait que... Donc, vlog update, on a trouvé le party. C'est une manifestation péruvienne. Mettons qu'on s'approchera pas trop. Mettons qu'on est vraiment dans un petit coin... Ghetto. Ouais, on va le dire, là. C'est ghetto. Mais la musique là-bas aussi, déçu. Mais... Ben déçu. Ouais, c'est full ouais. Fort. On va retourner voir. Je sais pas si vous voyez, là, mais... Les rues, là... Ok, là, on s'aventure un peu trop dangereux, là. Ok, on va refaire de bord. Surtout qu'au Pérou, ils disent de pas se promener le soir, tard, là, dans les rues. Ah, lui, il y a un bateau dans sa maison. Ah, mais pas oui. D'eau, par exemple, qui est caché. Dernier petite vue de Paracas. Donc, on est dans l'autobus en direction de Aquachina. Huacachina, j'ai l'impression de le dire encore. Hein. Ok, c'est nice ici! Oh my god! Oh.